Entamée le 1er octobre 2018, l'année scolaire en cours fera place dans un proche avenir aux différents examens d'état de l'enseignement général, à savoir au primaire qui sera sanctionné par le CEP, au secondaire premier et deuxième degré respectivement par le BEPC et le baccalauréat. Émanant de la tutelle du dit secteur éducatif, l'annon de service irrelatif est commenté par Pierre Calibitini, le directeur départemental de l'enseignement primaire secondaire et de l'alphabétisation du Kwilo. La note 0069, le PSACAP DEC du 7 mars 2019. Les examens d'État commenceront par le certificat d'études primaires élémentaires. Et la date prévue, c'est du 11 au 13 juin 2019. C'est une disposition qui va dans le sens de l'amélioration de l'organisation des examens. Le bac est prévu pour la période du 18 au 21 juin 2019. Et le BPC, c'est du 2 au 5 juillet 2019. Toutefois, les sessions tests seront organisées pour maintenir l'éveil des candidats à l'approche de chaque examen. En ce qui concerne les classes d'examen, nous prévoyons des examens tests et des examens blancs. Pour ce qui concerne les examens tests, ils se sont déroulés au deuxième trimestre. Nous avons une série d'examens blancs. Voilà, les dates prévues sont pour le bac du 14 au 16 mai 2019. Le BPC, c'est prévu dans la période du 21 au 24 mai 2019. Et le certificat d'études primaires élémentaires du 28 au 29 mai 2019. Nous sommes les acteurs du système éducatif et notre travail, c'est préparer les enfants aux examens d'État. C'est éduquer les enfants, donner l'instruction aux enfants pour que demain nous ayons des cadres fiables sur lesquels le pays peut compter. En somme, les dates connues et dévoilées, chacun des prétendants à l'échelle supérieure dans son cursus scolaire devrait mettre les bouchées doubles pour une réussite sans accrocs.